Là, on profite de la sortie et d'une rétrospective à la Cinémathèque des films de Raoul Ruiz qui a eu lieu pendant tout le mois passé et qui va finir dans 4 jours, je crois. Donc il y a une actualité Raoul Ruiz qui est décédé en 2011, je crois. Et on profite aussi de, parce qu'ici on vend des DVD, de la sortie de coffrets DVD et de surtout de 8 films rares de Raoul Ruiz qui sont ressortis qui sont édités par la Cinémathèque française et par l'INA. Et nous, on avait dans nos tiroirs évidemment le coffret 10 films de Raoul Ruiz. Alors c'est difficile de faire le tour de la filmographie d'un réalisateur qui a réalisé plus de 115 films, presque 120. Donc il y avait quelque chose d'assez fou, rythmé, et surtout on est très très content d'avoir avec nous ce soir Melville Poupeau, qui est un comédien que vous devez connaître et qui nous a fait l'amitié de venir. Donc merci Melville. Ouais, mais bon, c'est pas. Alors je vais te donner un micro parce qu'on enregistre pour avoir une petite trace et donc on voilà. Et Camille Lotto qui est monteur, entre autres, qui a plusieurs casquettes, mais dont la principale est celle de monteur, et qui a monté des films de Raoul Ruiz, plutôt des films récents, dont il nous en parlera. Et on attend François Margolin, qui est un producteur également, qui a produit quelques films de Raoul Ruiz. Et on a les excuses d'Ariel Dombal, qui ne pourra pas être parmi nous ce soir, parce qu'elle va être prise dans des embouteillages. Elle a eu Camille au téléphone, donc voilà. On s'est eu par SMS et tu m'as dit bah oui, évidemment. Et quand on regarde ton parcours cinématographique et ta filmographie, on comprend que Raoul Ruiz a été quelqu'un d'important pour toi. Ça a commencé très tôt, peut-être. Absolument, oui, absolument. Surtout que Raoul n'a pas d'enfant, donc depuis le début, j'avais un rapport peut-être pas filial ou peut-être même pas familial, mais enfin en tout cas comme un parrain, comme quelqu'un qui m'a transmis quelque chose, donc je me sens redevable. C'est lui qui m'a fait démarrer dans le cinéma quand j'avais 9 ans. La ville des pirates. La ville des pirates. On va voir un petit extrait. D'ailleurs. Je pense que sans lui, j'aurais peut-être pas fait de cinéma, donc je me sens redevable. Enfin, je sens que c'est aussi mon rôle et mon devoir, entre guillemets, de parler de lui, puis de quand on me propose de partager mon expérience et de faire découvrir un peu plus son travail, d'accepter. C'est le cas quand ils m'ont appelé pour la Cinémathèque, j'ai présenté quelques films. Du coup, il y a aussi une rétrospective qui aura lieu à New York en novembre au Lincoln Center. Donc j'irai aussi là-bas présenter des films. Je suis allé en Italie, au Portugal. Donc voilà, enfin dès que je peux parler de Raoul, et puis je trouve ça normal. Même si maintenant je suis un petit peu en bout de course et que je commence à avoir épuisé un peu toutes les histoires que je peux raconter sur... Les anecdotes, mais c'est intéressant quand même quand on suit le cinéma de Raoul Ruiz de te voir grandir à travers son cinéma. C'est-à-dire que tu commences à Ville des Pirates en 83, tu as une dizaine d'années et tous ces films, est-ce qu'on peut dire que tu es une sorte d'acteur fétiche ou je sais pas, comment ça s'est fait? Comment ça a fait qu'à un moment il s'est dit tiens, j'ai envie de tourner avec Melville, j'ai envie d'avoir qu'il incarne quelque chose dans mon univers? Enfin, déjà Raoul, il était très fidèle en amitié puis dans son travail, donc c'est souvent les mêmes techniciens qui travaillent avec lui, les mêmes acteurs avec des périodes différentes, mais enfin je veux dire souvent les acteurs, une fois qu'ils ont tourné avec lui, ils voulaient retourner, puis Raoul était content de les retrouver sur des films, donc il a souvent les mêmes acteurs dans ses films. Ensuite moi je l'ai rencontré en 83, donc pour La Ville des Pirates. Ma mère travaillait sur son film précédent en tant qu'attaché de presse, donc il m'avait vu dans ce genre de séance, d'après lui, et il racontait que le voilà Margolin. Monsieur Margolin, on va vous faire une place. Alors vous allez vous mettre là. Tac. Donc enfin, l'histoire que racontait Raoul, c'est qu'un jour il avait accompagné ma mère, qui était donc attachée de presse du territoire, pour faire une conférence de presse, et que j'étais là aussi parce que j'avais fini l'école, bref, et qu'il racontait des histoires qui avaient endormi tout le monde dans l'auditoire et que j'étais resté le seul éveillé, et que du coup il avait continué à me raconter en me disant mais est-ce que tu veux pas venir au Portugal avec moi, je vais t'emmener sur une île avec des pirates, tu pourras jouer, il y a un trésor caché, enfin il m'avait embobiné, et finalement moi évidemment j'étais content d'y aller. Et il a demandé à ma mère l'autorisation, parce que j'ai quand même un peu séché l'école. Et puis j'étais petit, à 9 ans, je me suis retrouvé tout seul au milieu de cette équipe
de tournage avec des techniciens, Paulo Branco qui était à la production, des techniciens portugais. Enfin, c'était assez sauvage comme film. C'était pas un film conventionnel. Il n'y avait pas de scénario. Moi, j'étais censé tuer des gens dans le film. Ben voilà, c'est un enfant meurtrier quand même. Voilà, un enfant meurtrier. Je maniais le couteau, je tirais à la carabine. Enfin, il y avait un côté. Je pense que c'est le genre de truc qu'on ne ferait pas faire aujourd'hui à un enfant. Enfin, personne n'accepterait. Quoique, j'ai revu il n'y a pas longtemps L'île au trésor. Donc on a tourné quelques années plus tard et qui est pire encore que dans mon souvenir La vie des pirates c'était le sommet, mais en fait L'île au trésor c'est bien plus traumatisant. Mais ça t'a pas traumatisé toi? Bah je me demande maintenant. C'était un jeu. Je me demande s'il n'y a quand même pas certaines images ou certaines... Parce qu'en fait il me faisait faire des trucs en me racontant des histoires comme souvent, donc c'était pas un traitement de faveur qu'il avait vis-à-vis du fait que j'étais enfant. C'est avec tous ces acteurs, il parlait jamais directement de la situation ou concrètement de la psychologie des personnages. Il restait dans le flou. Enfin, il aimait bien que les gens soient un peu perdus, quoi. Comme les spectateurs face à ces films, souvent on se demande ce qu'on est en train de voir. Voilà. Et c'est souvent après que le film trouve sa place dans notre souvenir et que les images prennent du sens. Enfin, c'est sur le moment, c'est un peu une expérience. Comme c'est aussi le côté un peu labyrinthique de Raoul. Il aime bien que les gens soient un peu largués, quoi. Donc fortiori en tant qu'enfant, c'était facile de me perdre un petit peu en chemin. Donc en voyant le film, je me rappelle plus ou moins de comment il s'y prenait pour me faire des trucs. S'il m'avait dit clairement ce que j'étais censé faire, je l'aurais pas fait, ou ma mère aurait pas accepté, ou même les gens autour auraient dit stop, tu vois. Ouais. Dans L'île au trésor, il y a une scène où je me fais fouetter violemment par toute ma famille à tour de rôle. Ils sont éclaboussés de mon sang. Enfin, il y a quand même des scènes assez traumatiques. Quoi. Ouais. Mais bon, a priori, ça va. Mais en même temps, on te sent très tôt, alors peut-être plus pour toi, mais très à l'aise devant la caméra. C'est-à-dire que tu n'es pas du tout intimidé. On sent une sorte de liberté comme ça. Il y a presque. On verra dans l'extrait qu'on va voir. On te sent à l'aise, quoi. Quel souvenir tu en as, toi? Moi, je m'inquiétais parce que j'étais quand même un peu cinéphile, parce que ma mère était cinéphile, que j'avais croisé quand même des gens du cinéma, donc j'avais vu beaucoup de films, je savais ce que c'était qu'un plateau, donc j'étais quand même. Et moi, j'étais très excité à l'idée de faire un film de pirate. J'étais sûr que mes petits copains de l'école allaient voir le film. Oui, pour moi, c'était Indiana Jones, quoi. J'étais vraiment. Donc ça a commencé, comme il n'y avait pas de scénario, j'étais un petit peu déstabilisé. Je m'attendais quand même à avoir du texte à apprendre. Non, tu verras, je te dirai ce que tu devras dire. C'était un peu au jour le jour qu'il écrivait les dialogues. Et puis assez vite, je me suis rendu compte que c'était pas exactement une super production et que ça ressemblerait pas à mes espérances. Et surtout quand c'est sorti, mes copains de classe sont pas allés le voir. Et puis ceux qui l'ont vu m'ont dit, mais c'est nul, on comprend rien. Mais c'est... Donc après j'ai caché un peu tout ça, donc c'était un peu comme un jardin secret. À l'aise devant la caméra, disons que je m'amusais beaucoup, j'aimais autant pousser le travelling ou regarder comment les grands faisaient du cinéma, le matériel, le chef opérateur Acacio de Almeida qui était vraiment un génie, qui inventait toujours plein de Mais voilà, mais le mot truc. Le mot d'invention ça revient très souvent quand on parle du cinéma de Raoul Ruiz, c'est-à-dire que c'était quelqu'un de très le mot de mystère, d'invention, il n'était pas du tout effrayé par les imprévus. Peut-être que François peut nous en tant que producteur. Merci c'est... beaucoup. Et toi excusez-moi pour le retard, je suis désolé. Donc, quand on est un producteur et qu'on produit un film de Raoul Ruiz, on n'est pas inquiet quelque part. Je sais pas, être un producteur, c'est un mot qui veut tout et rien dire, et en particulier avec Raoul. C'est-à-dire que je crois qu'il y a eu des producteurs qui étaient, comme on imagine un producteur, puis il y en a eu deux, trois qui étaient, dont je crois vaguement être faire partie. Il y a Paolo, je pense Paolo d'une autre façon, Branco, et quelques autres, on était plus amis que producteurs. C'est-à-dire que. Moi, j'ai jamais compris un seul des scénarios qu'il m'a fait lire de lui. Donc, c'était très gênant, d'ailleurs, pour aller essayer de vendre le projet dans les chaînes de télévision, qui disaient en général, surtout à l'époque où moi je l'ai connu, qui disaient il fait encore du cinéma, il n'est pas mort, il a fait déjà tellement. Donc, de toute façon, ça intéressait en gros officiellement personne qui voulait mettre de l'argent. Et c'était plutôt de la confiance. C'est-à-dire que produire un film de Raoul, on déjeunait ensemble, d'ailleurs, pas loin, là-haut. Au Coréen qui est avenue La République, parce qu'il fréquentait beaucoup le quartier, et puis puisqu'il habitait boulevard de Belleville, et du coup voilà, après avoir bu deux ou trois bouteilles, on était d'accord à peu près sur tout, et ensuite il n'y avait rien, enfin j'ose même pas le dire, il n'y avait pas de contrat. Enfin, moi j'ai des fois fait des contrats bidons, enfin signé à sa place ce que j'ai déposé au CNC, enfin, faut pas le dire, hein. Mais c'est en gros c'est ce qui s'est passé. Et donc, du coup, ça fonctionnait sur la confiance, en tout cas, je pense, avec deux, trois personnes, c'était comme ça. Mais tous les gens qui ont essayé de se conduire comme des vrais, entre guillemets, producteurs, je pense que ça n'a pas très bien marché, en fait. Mais moi, c'est
Et donc, le souvenir, si je peux parler de souvenir, parce que moi, j'ai toujours l'impression qu'il est vivant. Enfin, ça, je sais pas, c'est une des rares personnes, franchement, dont je n'arrive pas à parler de lui au passé. Vraiment, c'est un problème que j'ai avec Raoul et avec personne d'autre. Je pense qu'il est... que même sa mort, il l'a... Tout est organisé, voilà, si je puis dire. Même le fait qu'il soit là, en train d'écouter ou pas, ou voilà, de suivre ça, je sais pas, en vidéo, hein, sur Internet. Donc voilà, que tout est envisageable. Donc il est, voilà, c'est quelqu'un qui était très, très, effectivement, particulier, qui avait des rapports d'amitié, qui est sans doute la personne, moi, la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée. Mais voilà, il était d'une érudition incroyable, c'était un grand lecteur, il s'intéressait à... Oui, mais c'est pas seulement de l'érudition au sens... Parce que moi, je viens d'une famille d'universitaires où il y avait des gens dans la famille qui étaient super balèzes, comment dire, culturellement. Mais lui, c'est autre chose. Enfin, il était aussi bien au courant de tous les trucs politiques ou même géopolitiques sur le moment. J'ose pas dire. Il y a un des rares trucs, domaine où il connaissait pas grand-chose, c'est le sport. Là, franchement, ça c'est pas son créneau. Mais une passion pour les mathématiques. Quoique, même quand je suis au Chili, il a vu que je m'intéressais beaucoup aux matchs de foot. Il a une passion chilienne. Il a fini par me dire des trucs incroyables que sur des équipes de Santiago, mais enfin voilà. Il avait une passion pour les mathématiques, apparemment. Oui, pour les mathématiques, pour la nourriture. Hein, c'est vrai que c'était très très calé en nourriture, c'est-à-dire que c'est bah, il aimait pour, à la fois pour choisir de la nourriture et pour faire des plats. Sur ces tournages, on mangeait bien, quoi. Ah oui, c'était même un élément, je crois, essentiel. Ça faisait partie intégrante du tournage, enfin du film, j'ose pas dire. Et du coup, je crois qu'une des raisons, à mon avis, qui a poussé, par exemple, à faire un film que je n'ai pas produit, qui est le film d'après Proust, c'est on beaucoup pour la nourriture. Parce que moi, il m'a emmené plein de fois, quand il préparait le film, dans des restaurants qu'il trouvait proustiens, des restaurants incroyables qu'il avait découverts, que moi, je ne connaissais pas du tout, qui existaient dans Paris, des trucs qui étaient restés comme à l'époque de Marcel Proust. Donc oui, il y a plein de trucs comme ça. Et donc, c'était une érudition qui n'est pas purement universitaire ou je sais pas... C'était dans tous les domaines, quoi. Franchement, dans les films qu'il aimait, c'était des trucs hallucinants. Enfin, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Enfin, il connaissait tous les films qui doivent être ici en DVD. Mais il connaissait aussi... moi, j'ai découvert à Montréal, une fois, j'étais avec lui pour présenter, je crois, Journée à la campagne, Diaz de Campo. Et on s'est retrouvés à dîner. On était les seuls Français dans ce festival avec Philippe de Broca. Donc on se retrouve à dîner avec Philippe de Broca, je me suis dit ça va être une catastrophe totale, ça va pas aller. Et Raoul a commencé à expliquer à Philippe de Broca que son film préféré, donc c'était L'Homme de Rio, mais pas seulement L'Homme de Rio, qu'il connaissait à peu près tous les films de Philippe de Broca qu'il avait vus au Chili, et que c'était un de ses cinéastes préférés. Donc, jeune, je crois qu'il voyait 2-3 films par semaine, ah oui, une sorte de boulimique. Mais même des films récents qui sortaient, moi j'étais étonné, parce que je connais plein de cinéastes qui ne voient absolument rien, et lui, il avait vu... tout comme les films essentiels qui sortaient, enfin, de Tarantino à tout ce qu'on veut. Enfin, en tout cas, je ne dis pas qu'il allait voir 19 films comme il en sort par semaine, mais il allait en voir beaucoup. Donc oui, c'est une érudition tous azimuts, quoi. Voilà, c'est ça qui est assez étonnant en ce qui concerne, et tout pays confondu. C'est-à-dire, il y a non seulement aussi toute la culture chilienne, toute la culture française mieux que les Français, toute la culture portugaise mieux que les Portugais, toute la culture italienne mieux que les Italiens, toute la culture taïwanaise, parce qu'il a dû passer 2 mois à Taïwan, donc pour un film qui ne s'est jamais fait, fini en tout cas. Il connaissait des films, il en faisait, mais il les finissait peut-être pas tous. Oui, il connaissait par cœur. Enfin voilà, donc c'est un truc, oui, c'était un summum de connaissances, voilà, inutile s'il le faut, mais enfin voilà, essentiel, parce que c'est ça qu'on retrouve dans ces films. Hein. Voilà. Camille, on continue le tour de table. On imagine. tu as été monté les 3 des derniers films de Raoul. Alors que je retrouve Agatopédia. Alors c'est un film sur les dandys belges qui aiment bien faire des canulars. Bah, c'est une façon de le résumer. En tout cas, je crois que c'est la façon officielle. Après, à l'intérieur du film, il y a tout autre chose. Enfin, mais avant de commencer, je peux te dire que c'est à cette occasion, en commençant à travailler avec lui, que j'ai découvert toute cette activité que j'ignorais, de multiples petits films entre les gros, enfin, mais qui, je crois, qu'il faisait avec le même sérieux et la même désinvolture, enfin, et sa filmographie est, je crois, éternellement incomplète parce que moi j'en ai fait 3, enfin il en existe sans doute des dizaines,
peut-être certains qui sont référencés nulle part, sans doute plein, sans doute des films très vieux perdus, et ça fait... Tu en as un ? Mais et Camille, vous êtes rencontré avec Raoul, à quelle occasion ? Comment ça s'est fait ? Je pense que c'est le monteur d'autres de ces films, Jean-Christophe Himm. Je pense qu'il avait dû contacter ce monteur pour ces films-là, qu'il ne pouvait pas. Voilà, il me semble que c'est ça. Et donc, c'est par exemple celui-là, le premier que tu viens de mentionner, c'était tourné avec des adolescents en fac de philo à Bergame, où il était allé faire une intervention de quelques jours, quelques semaines, et ça donne lieu à un film. Il a embarqué ces jeunes gens dans un vrai film, en tourné en 5 jours, enfin, il va faire un peu moins d'une heure et demie, je crois, et en langage imaginaire. D'accord. Donc, les gens se parlent, enfin, imaginaire, un langage que Raoul avait conçu, enfin, qui était un vrai, c'était pas du charabia, c'était des vrais mots un peu latins, un peu... Une sorte d'espéranto. On comprenait un peu, enfin, des dialogues au générique. Tous les postes du générique sont aussi en langage imaginaire. Enfin, D'accord. Et ça parle en effet, alors juste un mot peut-être sur les agathopèdes, c'est en effet des Belges surréalistes, enfin, dont l'activité principale était de créer des ruines, enfin, et d'inventer des pans entiers de l'histoire. Et je pense, j'imagine que les trois quarts des choses dans le film n'ont pas été inventées par eux, mais par Raoul lui-même. Ouais. Mais du coup, tout ça se mélangeait très bien, enfin, c'était parfaitement juste par rapport à son esprit et son... C'est très très beau. Souvent vers la fin de sa vie des agathopèdes, il avait découvert ça, effectivement, c'était un groupe de Belges bien avant les dadaïstes, ouais, et les surréalistes, qui faisaient des blagues qui pouvaient durer pendant 100 ans, c'est-à-dire qu'ils faisaient une blague, et 100 ans plus tard, alors que tous les personnages qui avaient fait la blague étaient morts, quelqu'un se rendait compte, mais en fait c'était un canular. Ils avaient inventé, comme tu dis, des ruines ou des pièces de monnaie d'un faux pays que les gens retrouvaient, les fans de numismatique collectionnaient. Il y a des choses qui ont été vendues plus cher, je crois, que l'original. C'est possible, à part Raoul, je connais personne d'autre qui ait les agathopèdes comme référence. Il les a pas inventés, ils doivent exister. Enfin, ils ont dû exister, mais... D'ailleurs, des fausses traces de leur existence. Voilà, que Raoul a laissé, c'est peut-être tout ça, c'est peut-être une invention. Bah, tout ça, c'est très... L'esprit de Raoul aussi, c'est proche de ça. Effectivement, il y a des films, comme tu disais, qui ont disparu, qui un jour réémergeront, que tu en as retrouvé un chez toi, mais l'autre jour, parce que maintenant il y a une espèce d'association qui s'appelle l'association des amis de Raoul Ruiz, et on se réunit régulièrement, on fait des séances. Dont vous faites pas, dont vous faites partie. Je suis président d'honneur. Si on en fait partie, oui. Et l'autre jour à l'assemblée, il y a une fille qui est arrivée en disant, hier dans mon bureau, quelqu'un est arrivé avec des bobines de film qu'il a posées sur mon bureau en disant, c'est un film de Raoul, et le type est parti. Et j'ai pas eu de nouvelles, je sais plus comment s'appelle cette dame qui était assise à côté de moi. Ah, t'étais pas là. Enfin, donc, il fallait organiser une projection pour projeter ces bobines de film. Je crois que c'était du 35. Et donc, personne ne connaissait ce film, à part ce type-là, qui l'avait récupéré, je sais pas où. Le nombre de films... Parce que moi, la première fois que j'ai produit un de ces films, j'ai essayé de faire le dossier de presse, voilà, comme on fait souvent, et de lui demander, et d'essayer de reconstituer ces films. Il m'a dit, démerde-toi pour les retrouver. Donc, au bout d'un moment, comme je trouvais des choses absolument contradictoires partout... je lui ai demandé, et ça, tu t'en rappelles, etc. Enfin, j'ai essayé de trouver. Et lui-même ne savait absolument pas, il savait absolument pas le nombre de films qu'il a fait, mais vraiment, très sincèrement, c'est entre 100, je dirais entre 125 et 175, j'estimerais, le nombre de films qu'il a dû faire, ce qui est beaucoup, parce qu'il est mort pas si vieux que ça, il est mort à 70 ans, mais enfin, il a commencé à 20 ans. Et puis, surtout, moi, je me rends compte que même moi, je ne sais pas combien de films de lui j'ai produit, en fait. Il a réussi à déteindre sur des gens. Non, c'est vrai. Par moment, je dis 5, par moment, je dis 7. Parce qu'il y a un certain nombre, j'ai découvert que je n'étais pas forcément le seul. Le seul producteur, ou d'autres films que j'ai faits qui, finalement, ne sont pas répertoriés. Donc, c'est assez imprécis, voilà, le nombre. Donc, finalement, c'est. Enfin, j'allais dire que c'est naviguer entre le vrai et le faux. Ce n'était pas tout à fait, parce que c'est. Il naviguait dans le vrai, mais dans un vrai. Qui peut être imaginaire, quoi. Donc, et un de ces grands trucs, parce qu'il parlait des agathopèdes. Moi, il y a un truc qu'il admirait beaucoup au Chili, c'est un mouvement. Au début, je croyais que c'était une invention de lui. Hein, c'est le mouvement imaginiste. Et en fait, ça existe. Donc, ça existe. Et d'ailleurs, je crois que le père d'un de ses meilleurs amis, là, Emilio, était un des piliers, si je puis dire, de ce groupe. Mais il en parle dans plusieurs films que j'ai produits au Chili. Et je croyais vraiment que c'était le fruit de son imagination, et si je puis dire.
Et les imaginistes existent, voilà, ça existait. Donc il aimait beaucoup des trucs comme ça, de, totalement, que personne ne connaît, mais qui ont eu une influence sur lui, parce qu'il y, y a tout de même des vraies influences sur lui, ça, par contre, je pense, qui existent. Enfin, c'est pas toujours ce qu'on raconte dans les, disons, dans les bios de lui, ou sur Wikipédia, ou des trucs de ce genre-là. C'est pas une espèce de baroque, comme on dit, ou des, enfin, tous les termes qu'on utilise en général pour tous les Sud-Américains, d'ailleurs, quels qu'ils soient. Je crois qu'il y a, non, il y a des sources d'inspiration de lui qui sont, je dirais Buñuel, je dirais Borges, mais pas mal d'autres gens aussi. Donc voilà. Donc, pense beaucoup à Borges. Dans oui, parce que c'est le truc dont ça serait éventuellement le plus proche. Ouais. Effectivement, c'est peut-être Borges sur le plan intellectuel, en tout cas. Voilà, c'est... Et puis sur la forme de la nouvelle aussi, sur des formes courtes, mais pas se limiter à une forme aussi. Je trouve que c'est. Mais qu'est-ce que c'est, comment il a déteint sur vous dans votre pratique de comédien ou dans votre pratique de, bah, de créateur comment, qu'est-ce qui reste de... Non, en tant que comédien, pas grand-chose parce qu'il avait une façon de. Il aimait pas trop diriger. Il aimait pas trop diriger les comédiens. Il les dirigeait, mais à sa façon, c'est-à-dire sans qu'on se rende compte que c'était de la direction d'acteur. Il parlait d'autres choses. On allait dîner, déjeuner. Mais techniquement, il était non, pas, non. Techniquement, il aimait pas le côté. De toute façon, c'était pas quelqu'un de. Il supportait pas le niveau terre à terre des. Il aimait plutôt diriger en disant, donnant des indications concrètes, genre tu vas aller de là à là, tu vas jouer avec ta paille et ton verre pendant que tu dis le texte, alors qu'a priori on s'imaginait que ça allait être une scène très intense d'explication, donc les acteurs se préparaient des fois à jouer d'une certaine façon, et une fois sur le plateau, ils se rendaient compte qu'en fait l'idée de Raoul était complètement autre, donc certains acteurs pouvaient se retrouver déstabilisés en se disant, bah non, moi je voulais quand même dire mon texte comme ça, bien, ils disaient, non, tu vas le dire de dos, en jouant. Enfin, tout ça, c'était toujours encore une fois pour un peu... faire sortir les gens de leur cadre et puis de leur systématie, enfin de leur réflexe. Et aussi pour les techniciens, très souvent, ils posaient un peu des problèmes au chef opérateur, par exemple. Ils disaient, tout à coup, ils veulent faire un plan qui aurait nécessité beaucoup de matériel et des effets spéciaux incroyables, mais non, démerde-toi, tu vas y arriver. Donc tout le monde était un peu obligé de se creuser la tête pour arriver à faire le plan que Raoul avait en tête. Ce que j'aimais beaucoup chez lui... Et ce qui a peut-être déteint chez moi, c'est que finalement le résultat n'était pas si important que ça. Ce qui était plus important, c'était le fait de se retrouver ensemble, d'imaginer, d'inventer, de ne pas se contenter de faire son petit travail et correctement, mais de partir dans une aventure et de chercher toujours le côté un peu extraordinaire qui a lieu dans le cinéma quand même souvent. Quand on est sur un plateau, c'est l'occasion. Mais je veux dire, lui, il laissait jamais de côté le fait d'imaginer, d'aller plus loin, de chercher, quitte à ce que le résultat soit des fois un peu bancal, parce que c'est vrai qu'il y a c'est pas inégal, mal de... c'est une filmographie aussi inégale. Oui, mais dans chaque film, tu as des plans où tu te dis « Ah, quelle idée géniale !» Et puis même si sur le moment, tu te dis « Ah, c'est quand même un peu pourri ce truc que ça m'a fait », après tu y repenses et tu te dis « Mais comment il a fait, en fait ?» C'est bien que ce soit... Par exemple, il y a un... Ce que j'aime bien chez lui, c'est dans son esthétique aussi, c'est-à-dire que les trucages sont visibles à l'écran. C'est pas comme si on se disait... C'est pas comme s'il avait voulu masquer les effets, il veut que ça se voit aussi. Pour lui, c'était aussi la beauté, c'était qu'on voit presque un peu le truc dépassé, quoi. Enfin, il y avait un côté comme ça, pas carré, quoi. Et toi, dans ta pratique aujourd'hui, dans ton métier de comédien, tu y repenses ou quand tu es sur un plateau de tournage, tu essaies d'instiller ça, cette ou... Non. En tant qu'acteur, non, parce que t'es pas vraiment un acteur de troupe, toi. Non, mais c'est pas ça. C'est que je suis un acteur très très docile et moi, je fais où on me dit de faire. Ouais. Donc, si le réalisateur me dit mets-toi là et dis ça, je m'assois, je dis mon texte et j'attends qu'on me dise non, plus comme ci, plus comme ça. D'accord. Donc, je sais pas, j'arrive pas en tant qu'acteur à dire que j'ai une technique ou que j'ai pas. Non, j'attends que je suis élevé avec. Quand même dans la tradition de la politique des auteurs, donc pour moi c'est le metteur en scène qui sait, qui a son film en tête, qui m'a choisi pour une raison précise et qui a en tête l'idée de son personnage, de comment le jouer, donc je m'en remets à lui. Alors c'était difficile dans le cas de Raoul parce que s'en remettre à Raoul à ce niveau-là, ça voulait rien dire, donc j'essayais de gérer un peu le truc. Comme beaucoup d'acteurs, ils vous diront tous qu'ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils leur demandaient. Parce qu'il a dirigé, dans Le Temps Retrouvé, il y a un casting incroyable, il y a Malkovich, il a dirigé Piccoli, il a dirigé après. Oui, parce que les acteurs adoraient travailler avec lui, parce que les acteurs adorent travailler avec des gens qui les laissent assez libres. Moi, j'ai vu ça avec d'autres grands cinéastes que j'ai produits, genre Roussao Sienne ou des gens comme ça. C'est des gens qui laissent les gens totalement libres. En fait, la direction d'acteur se passe avant, j'allais dire après, enfin ça se passe après au montage, si on peut dire, mais c'est surtout avant, quoi. C'est dans les rapports avec quelqu'un, ça se passe dans le casting, ça se passe dans le fait de dîner ou boire. En ce qui concerne Raoul avec les gens,
Et ensuite, sur le plateau, il y a à peine le temps de faire les choses. Et ensuite, effectivement, il y a une mise en place, mécanique, elle n'est pas du tout mécanique, optique. Voilà, parce que lui, dans son esprit, c'est plutôt optique. Mais les choses, je crois, voilà, il y a une grande liberté. Il y a plein de gens qui voulaient tourner avec lui. C'est-à-dire qu'il avait croisé, par exemple, moi je me rappelle très bien, on préparait un film à ce moment-là, donc j'étais au courant à peu près de tout ce qui se passait au jury du Festival de Cannes l'année où il y était. Parce qu'on prenait un verre tous les jours vers 18h ou 19h, là, quand il était un peu plus tranquille. Il me racontait tout ce qui se passait. Donc, mais en particulier, une chose, il était devenu très ami de... Comment s'appelle cette actrice ? Sharon Stone. Voilà. qui voulait absolument faire un film. Il y a eu plein de projets avec Sharon Stone. Parce que c'était très utile, les acteurs. Parce que finalement, monter les films de Raoul, c'était à l'ancienne. C'est-à-dire que, comme ça se faisait dans les années 60, c'est-à-dire qu'il valait mieux arriver chez quelqu'un avec le casting, surtout si ça en jetait plein les yeux aux financiers, qu'avec le scénario où ils ne comprenaient rien, et pas plus que moi, mais ça, je n'étais pas obligé de leur dire, donc voilà, ou pas plus que les acteurs, pas plus que les techniciens, pas plus que personne. Donc, arriver avec Sharon Stone, c'était le moyen de faire un film ou deux, quoi, facilement, si elle venait. Et ce n'était pas de façon intéressée, simplement, il était devenu effectivement ami, parce que je pense qu'il disait des trucs qu'il devait la fait rire, quoi. Bon, ce qui était drôle. Hein, en plus, on a tendance à oublier l'aspect essentiel. Je pouvais peut-être parler avant, mais c'est tout de même une des personnes les plus marrantes. Ah oui. Il assistait à une séance de pré-production. Il devait faire un film avec Leonardo DiCaprio et puis je ne sais plus quelle actrice américaine. C'était un biopic sur Pythagore. Et c'était une roumaine, une scénariste roumaine, tu l'as jamais vue, qui avait un gros cristal ici. Il brillait un peu comme ça, un cristal, une avec les cheveux noirs et des grands ongles et tout ça, qui avait écrit un scénario sur Pythagore. Et elle voulait absolument que ce soit Raoul qui le produise. Le producteur, c'était un armateur grec. Et donc, je les avais retrouvés à Londres pour faire un débrief du film à venir. Et l'armateur disait, pourquoi est-ce qu'on prend pas DiCaprio ? Et Raoul, il se retournait vers moi. À l'époque, il n'était pas si connu, il ne savait pas trop qui c'était. Je dis, oui, il est bien. Ok, d'accord, il pourra faire Pythagore. Et le scénario, c'était Pythagore et sa gonzesse dans une grotte en train de parler de mathématiques. Et puis après, il y avait une espèce de chevauchée, je ne sais plus où. Et finalement, l'armateur est parti avec l'argent qu'ils avaient commencé à récolter. Mais le film ne s'est jamais fait. Mais le scénario était bien. Mais il y a un truc... Il y a eu Sheila ou Pierre Bellemare hein, comme acteur dans les films de Raoul. Bah là, dans le ah oui, 3 vies et une seule mort, on a Pierre Bellemare. Ouais. Il y a même eu moi dans un de ses films avec Melville pour dire à quel point n'importe qui peut... jouer dans un film de Raoul. Mais j'ai lu que sur la ville des pirates, il y avait un ami de Paolo Branco qui était recherché. Non, qu'est-ce que c'est cette anecdote-là ? Quelqu'un qui... on tournait la ville des pirates, donc c'était en 83, sur une petite île au Portugal qui était à l'époque accessible uniquement à marée basse. Donc, et il n'y avait pas de route, donc tout le monde passait le matériel comme ça. Et donc c'était un peu planqué, c'est vrai. Et Paolo était copain avec un joueur professionnel qui avait... qui travaillait avec les probabilités, enfin donc qui avait vraiment arnaqué des casinos et qui était recherché par Interpol. Et comme il était copain avec Paolo lui avait dit ben, « Viens te planquer sur mon équipe du tournage, personne ne viendra te chercher sur cette île au Portugal. » Donc était arrivé ce Steve qui était un albinos, qui était quand même assez visible. On voyait de loin. Et donc il est resté parmi nous, moi j'étais petit, hein, mais je me rappelle de lui, il était là, on ne savait pas trop ce qu'il foutait. Et en fait, il jouait au poker le soir avec Paolo. Et Raoul a décidé de faire un film avec les chutes de films qui restaient de la ville des pirates, un autre film à la fin du tournage qui s'appelle Point de fuite, qui est en fait une espèce de qui est dans un des bonus, qui est en fait une longue partie de poker entre l'albinos et Paolo Branco. Et comme l'albinos était quand même vraiment recherché, Raoul lui avait mis des bandelettes comme s'il s'était fait faire le visage, donc il y avait un côté un peu homme invisible. Et à la fin, ils ont, je crois vraiment que la partie a eu lieu en vrai et que Steve est parti avec la femme de Paolo Branco, mais que Paolo a récupéré les bobines du film. Enfin, j'avais une histoire comme ça. Mais ceci dit, à l'époque, Paolo Branco jouait quand même au casino la paye des techniciens. Non. Si, si, ah oui, il partait du tournage, il disparaissait pendant 2 jours. Les techniciens disaient, mais il est où Paolo ? Il est où Paolo ? Il gagnait souvent. Paolo, il était très bon à l'époque au casino. Donc, il revenait avec la paye et il rejouait avec les membres de l'équipe leur paye. Et il plumait tout le monde. Du coup, les techniciens étaient hyper vénères, ils n'avaient pas d'argent, mais ils s'étaient fait vraiment plumer par Branco, qui est retourné au casino, et il a fait plusieurs films comme ça. Parce qu'il y a Raoul, mais il y a aussi Paolo, qui est aussi une figure assez... C'est aussi un... D'accord. Camille, peut-être des...
je peux ajouter un détail, si vous voulez, pour éclairer sa façon de travailler, comme tu as commencé. Le deuxième film que j'ai fait avec lui, qui s'appelle Le Passeport Jaune, il me contacte quelques temps après le premier, et il me dit tout de suite, j'ai tourné en Amérique du Sud, voilà. Bon, mais je parle pas espagnol, enfin presque pas, j'y arriverai pas, peut-être propose à... Il me dit, c'est pas grave, c'est pas en espagnol, c'est en dialecte indien, enfin, tout ça. Je dis, bon, ça tombe bien. Et il me fait parvenir les rushs quelques jours après, et je commence à regarder ça, enfin... Je lui dis, mais tu m'enverras le scénario? Il me dit, non. Bon. Et je reçois donc un disque dur avec un amas de rush, enfin, bon. Et je regarde un peu, je dis, bon, on se voit le lendemain. Et je lui dis, bon, reviens, il va m'expliquer quoi, de quoi il s'agit, enfin, ça. On va déjeuner, il me parle d'Amérique du Sud, de tribus, de choses qu'évidemment j'ai parfaitement oublié en direct, enfin, instantanément, je perdais les noms, je perdais ça. Et après, je pensais qu'on allait retourner au montage, et il s'en va. Il part comme il faisait, là, tu sais. Et ben moi j'y retourne quoi, au montage. Non, il me dit quand même, mais tu vas voir, regarde et tu vas y arriver. Bon, ben, c'est ce que je fais. Et les trucs s'emboîtent. Je prends les rushs à peu près dans l'ordre et les trucs s'emboîtent. Mais alors, j'avais l'impression d'être un enfant, enfin, d'avoir 6 ans devant une boîte de jeux en bois, enfin, ou un truc où tout s'emboîtait presque à la suite, comme ça. Il y avait parfois 2-3 prises parce que le travelling était tombé, donc il a refait une prise. Et j'ai dû monter un truc qui faisait 1h45, je crois, en 2 jours, peut-être en une semaine. Il venait de temps en temps et il avait construit un jeu, mais tout prêt. Alors parfait, je n'en sais rien après, mais le film existe et il était entièrement dans sa tête au tournage. Le montage est une espèce de formalité, juste de pur plaisir de jeu. Et quand je me suis rendu compte de ça, je lui ai quand même demandé, mais je pense que c'est pas la vraie raison. En tout cas, il m'avait dit que c'est parce que c'était produit en partie par la télé et qu'il voulait être sûr. Il n'était pas sûr de pouvoir s'occuper vraiment du montage, tout ça. Et dans le doute, il avait dit non, j'ai fait qu'un plan à chaque fois dans l'ordre. On peut pas en enlever un seul, sinon on ne comprend plus rien. Et on peut pas mettre différemment, sinon ça fait un... Voilà. Incroyable. Enfin, j'ai plus jamais monté un film comme ça. Une espèce de leçon de... Par rapport à certains films qu'il a fait avec d'autres producteurs que François ou Paolo Branco, qui lui laissaient vraiment les clés du film jusqu'à la fin. Il a fait quelques films, notamment Klimt, qu'il a fait avec John Malkovich, avec d'autres producteurs, et puis en France aussi un film qui s'appelle Les âmes fortes. Et là, une fois qu'il avait fini le tournage et le montage, il était satisfait, mais les producteurs disaient, mais non, quand même, on ne comprend pas assez, il faut, pour rentrer dans les frais, pour que ce soit sortable, on ne peut pas le sortir comme ça, on ne comprend rien. Donc dans son dos, souvent, il les avait refait le montage et Raoul était très brimé, gêné que le film sorte sans son montage. Et c'est vrai que quand tu regardes notamment Klimt, le montage des autres producteurs ne tient pas la route et le film est moyen, alors que le montage de Raoul, qui est plus long, mais là tu comprends vraiment le film et que c'est un très beau film. Et dans le coffret, on a le directeur Scott, donc le montage. Non, ce que je voulais dire, parce que c'est vrai, le truc, moi j'ai vu des films que j'avais pas vu dans la rétrospective qui est à la Cinémathèque en ce moment, il y a quelques-uns, et en fait je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les films où les producteurs avaient eu le fantasme de faire entrer Raoul dans le rang, enfin je sais pas comment dire, dans le rang normal, quoi, de profiter uniquement je sais pas quoi, de sa notoriété, du fait qu'il puisse avoir Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni ou des gens comme ça, ils sont beaucoup moins bons que les autres parce qu'ils sont moins lui. Alors, c'est toujours lui, mais il y a tout de même un truc où on voit... J'ai vu quelques films où on sent qu'il y a eu un chef décorateur qui a bossé sur tous les trucs, qu'il y a des costumes, des machins. C'est pas les meilleurs, quoi, je trouve. Enfin, je ne citerai pas de titre ni de nom. Mais c'est pas les mieux parce que il était absolument, c'était pas la peine d'essayer de lui apprendre. Il aurait pu produire ses films tout seul. Hein. Il n'avait pas besoin de moi, de Paolo, personne. Par contre, il n'avait pas le temps pour faire 150 films. Par contre, c'est là où je pense que tout était planifié dans sa vie. C'est que, sauf peut-être sa mort, il y a encore. C'est qu'il était, pour faire 150 films, il n'avait pas le temps en plus de les produire. Voilà, donc il fallait s'abstraire de ça. D'ailleurs, quand un film était fini. En gros, le montage qui durait 8 jours maximum,
que ce soit avec toi ou avec Valéria, c'est, il s'en foutait, il était déjà passé à un autre ou à trois autres, enfin, plutôt qu'à un autre d'ailleurs. Sa compagne, sa femme Valéria Sarmiento, qui a monté la majorité de ses films, beaucoup de ses films, et qui est une très bonne monteuse. Ouais, qui a commencé. Je sais pas si au début elle était monteuse, je suis pas sûr d'ailleurs. Enfin, en tout cas. Mais après, elle a été réalisatrice. Ça, c'est... D'après notre correspondant, les importantes taches de sang auraient obligé les autorités responsables à faire repeindre la maison afin d'effacer les traces de ce crime, sans doute le plus horrible que Saint-Sébastien ait connu. D'après de nouvelles informations, on indique que les bijoux de la famille auraient disparu. Je sais pas, je me souviens plus. Comment est-ce que tu as pu faire ça? Je sais pas. Explique-moi, je sais pas. Moi, je trouve que c'est inexplicable. C'est peut-être parce que tu les détestais. Quoi? Ouais, tu les détestais. Ou alors ils te... Non, ils t'ignoraient. Qu'est-ce que tu me dis? Ils ne voulaient pas comprendre ce cœur en or pur qui le tient. L'or. J'adore l'or. J'adore l'or et les bijoux. Je me rappelle sur le tournage, on avait mis de la pâte à modeler, à la limite la pâte à modeler avec laquelle je m'amusais quand j'étais petit pour faire un faux coup. Mais la pâte à modeler tenait pas, il y avait un tuyau avec un assistant qui soufflait, une espèce de sang. Non, le sang c'était du vrai sang de porc à l'époque, on avait le droit de l'utiliser. Donc bref, il essaie d'injecter du sang de porc sous la pâte à modeler, mais ça tenait pas, ça coulait dans le mauvais sens, de l'autre côté du couteau. Enfin, donc je veux dire, et là au bout d'un moment, je m'amusais avec le couteau, j'essayais de répéter, je mettais un petit trait sur la pâte à modeler à l'endroit où il y avait le tuyau. Enfin, je veux dire, c'était un tel jeu d'enfant et c'était tellement amusant. Et Raoul mettait tellement une bonne ambiance sur le tournage que je pense que si ça avait été vraiment une grosse giclée de sang et tout ça, j'aurais été beaucoup plus choqué, quoi. Mais il y a quelque chose de très d'assez suspendu et de très émouvant même dans toi enfant, quoi, qui est quelque chose qui est déjà là, qui l'a su voir quelque part, j'imagine. Mais c'est quand même des beaux moments de cinéma. C'est des beaux moments de cinéma, quoi. Ouais, parce que moi, ce que je trouve là, tout à l'heure, on parlait d'influence. Et en fait, un des trucs qui influence, enfin, je le vois dans l'extrait là, c'est qui influençait le plus Raoul, c'est les films des années 40 ou 50 américains, les mélos, parce que c'est en fait, c'est ça, sa formation, c'est comme ça. Donc, et là, à la fois, et même musicalement, c'est-à-dire que la musique où il connaissait tout. Ce qu'il adorait, c'est la musique ranchero mexicaine, qui est, où on avait envie de pleurer au bout de 3 minutes. C'est ce genre de truc qu'il adorait. Et là, les effets, effectivement, c'est les effets des films américains des années 40-50 qui sont grossiers. Ouais, oui, enfin, grossiers, c'est-à-dire qu'ils sont top, parce que justement, ils ne sont pas sophistiqués. Tout d'un coup, comme il va y avoir les perles, je voyais à Casio d'Almeda mis des vagues, des reflets déjà, super. Enfin, comme personne n'oserait le faire, en gros, dans les yeux de Melville. Donc, c'est les effets où on rechute. Voilà, il y a l'ombre du couteau qui passe. Enfin, des trucs. Personne en France, depuis 40 ans, n'ose plus faire des trucs comme ça. Et pourtant, c'est vachement bien, quoi. Voilà, donc, je crois que c'est ça qui. Il hésitait devant rien et surtout pas devant ça. Donc, voilà ce qui semble être le principe du cinéma, parce que c'est fait avec rien, quoi. C'est-à-dire qu'en plus, c'est que des plans. Comme ça, très simple, et il y a toutes les idées, ça change tout le temps. Enfin, on passe d'un truc mélo à un truc dramatique. Enfin, c'est-à-dire que voilà.
des choses qu'il a écrites sur le cinéma dans Poétique du cinéma 1 et 2, et puis je crois qu'il y a un troisième volume qui va paraître. C'est aussi important pour moi que toute sa filmographie, c'était vraiment un penseur, enfin théoricien du cinéma, et notamment sur la narration, c'était son grand cheval de bataille. Il appelait ça le conflit central. Donc il a été professeur à Harvard dans les années 90, début 90, et il avait... ses livres Poétiques du cinéma sont inspirés des conférences qu'il a données à Harvard, et c'est toute une charge contre la formatisation de la narration, les systèmes narratifs imposés qui sont aujourd'hui, qui effectivement, il était un peu visionnaire à ce niveau-là, qui font autorité dans tout ce qui est séries télé, même en France maintenant, on te dit si à la page 14 t'as pas l'événement qui fait que le personnage principal bascule et qu'après t'as les trois actes, le climax médian, je ne sais pas comment ils appellent ça, enfin toute cette espèce de mécanique, cette technique que lui appelait, il disait que ça bridait totalement l'inspiration des gens et que bientôt ça allait faire des films qui allaient tous se ressembler, quoi. Donc effectivement, quand on voit les films de Raoul, ce qui je pense qui est le plus séduisant et ce qui aujourd'hui, plus que jamais, donne envie aux gens, c'est le côté liberté absolue de se dire, un film, ça peut être chiant, il peut y avoir des digressions, le personnage n'est pas obligé d'atteindre son but à la fin de l'histoire, enfin je veux dire, toute cette espèce de... qui est en fait assez théorique, mais fait avec humour et puis avec une mise en scène qui est toujours ludique et originale. Mais enfin, je veux dire, c'est aussi une vraie posture politique, en tout cas dans ce récit-là, notamment par rapport à la narration, ce que vous disiez. C'est une espèce de rébellion, en tout cas, par rapport à un ordre qui se met en place de plus en plus à l'époque et qui aujourd'hui est peut-être à son apogée, quoi. Oui, parce que, le seul combat qui m'a jamais exprimé là-dessus, c'était le combat contre les trois actes. Il était contre les trois actes en pensant que c'était imposé par l'impérialisme gringo qui imposait ça au monde entier. Et que du coup, lui, il en avait assez de lutter, de se battre pour des trucs politiques comme il l'avait fait dans les années 60 ou début des années 70 avec Allende. Et par contre, son vrai combat, c'était contre la domination américaine sur la narration. Narration qui, d'ailleurs, vient d'Europe centrale, par ailleurs, si on veut voir le cheminement de tout ça. Mais en tout cas, il voulait lutter contre les trois actes. Et je crois que c'est un combat d'avenir, moi, je pense, profondément. Mais par contre, qui est difficile, parce que les trois actes l'emportent partout. Et je crois que ce qu'il y a de fondamental avec Raoul, c'est qu'il pense que le cinéma est un art et une... Il y a des formes, que c'est une invention permanente. Et c'est vrai que c'est une idée qui est un peu en perdition actuellement, puisque à part le chiffre des entrées le premier mercredi à 14h, en gros, il n'y a pas tellement d'autres critères aujourd'hui, donc y compris dans le cinéma d'art et d'essai. Donc, ça avait été assez étonnant d'ailleurs, les Mystères de Lisbonne qui avait été un succès. Il y avait eu un vrai phénomène. Moi, je me rappelle de ça au Reflet, où les salles étaient pleines, ne désemplissaient pas, et où les gens suivaient vraiment. Les Mystères de Lisbonne, c'est une sorte de mini-série, quoi, où il y a un nombre de personnages assez incroyable. Et le film avait trouvé son public, alors que le format était complètement pas commercial et pas du tout. Mais moi, c'est plus qu'il va trouver son public, c'est que je pense que l'avenir va trouver. Ils vont trouver un rôle et ils oublieront un certain nombre de cinéastes français. Je ne vais pas faire que les ennemis, surtout si c'est enregistré. Beaucoup de cinéastes français et d'autres pays aussi. Hein. Et Raoul restera, parce que c'est un des rares personnes qui a inventé les trucs. Et à un moment, on reviendra à l'idée que le cinéma, c'est une source d'invention et que chacun. Et voilà. Et lui a jamais perdu ce fil-là, quitte à tourner avec 5000 euros ou à moins pour faire un long métrage. Il n'a jamais eu de problème pour trouver ses films, pour trouver. Il a eu que des problèmes. Oui, mais ça l'a pas empêché, quoi. Jamais. Voilà, non, mais le principe de base, c'était de. Ce qui m'a appris, c'est qu'effectivement, c'est que le cinéma, c'est un métier. C'est lui ce qu'il pensait, mais les métiers, pas dans le sens professionnel de la profession, dans le sens. Il me disait, c'est comme un boulanger tous les matins, oui, il fait son pain. C'est un artisan, quoi. Oui. Je veux dire, moi, je travaille comme ça. Voilà, je peux pas faire autre chose. C'est sans doute peut-être pour ça aussi qu'il a pas eu d'enfant ou des choses comme ça. Mais en tout cas, oui, il y a peut-être d'autres raisons aussi. Mais en tout cas, c'en est une. C'est-à-dire que il a toujours, il fait des films, soit travailler sur un film, soit écrire le scénario, soit préparer des choses pour ça. Il n'y avait pas beaucoup de moments de repos, même en vacances, il écrivait des trucs, il écrivait son journal. D'ailleurs, je crois que j'ai appris récemment qu'il écrivait des notes tous les jours, en plus sur tout ce qu'il faisait dans la journée, tous les gens qu'il rencontrait. Je suis très inquiet sur ce qu'il comptait sur moi, mais...
Mais du coup, oui, voilà, c'était un boulot à plein temps. Et ça, je crois que ça c'est vraiment une leçon, parce que par rapport aux gens, disons, qui ici, à qui on a appris qu'il fallait rester 4 ans ou 5 ans au téléphone, attendre de savoir si Arte ou Canal+ étaient d'accord pour faire un film, lui, c'était pas ça. Voilà, il était aussi emmerdé que les autres de ça, mais il trouvait d'autres solutions, quoi. Mais un mot de la fin, une dernière question ou on boit un verre une question. Moi, je voudrais savoir quel est votre film préféré de Ruiz et pourquoi. Chacun. Eh bien, moi, ça change souvent parce que j'en ai pas vu tant que ça. J'en ai peut-être vu une vingtaine, peut-être 25 des films de Raoul. Donc, il m'en manque plein. Mais parfois, j'en découvre un. Comme ça a été le cas l'autre jour, il y avait une espèce de réunion à l'IMEC où il y a les archives de Raoul qui ont été données par Valéria. Je ne sais pas si vous connaissez l'IMEC, c'est à Caen, c'est fonds d'archives de littérature contemporaine, où tu as beaucoup d'auteurs qui ont laissé leur... Donc c'est très bien rangé, et il y a le fonds de Raoul. Bref, il y a une soirée pour ça, et ils ont passé un film que je n'avais jamais vu, qui a été produit par l'INA quand Raoul faisait partie de la section recherche. À l'INA, à l'époque, il y avait une section de recherche, c'est-à-dire qu'on pensait que le cinéma, ça pouvait être aussi une forme qui pouvait être qui méritait en tout cas d'être creusée pour trouver de nouvelles formes de façon de filmer, un nouveau langage, enfin bref. Et Raoul a beaucoup travaillé là-dedans. Il y a un film qui s'appelle Querelle de jardin, qu'on peut retrouver sur YouTube, je l'ai vu l'autre jour, qui est absolument génial, ça dure 12 minutes, et c'est une querelle entre deux jardins. T'as un jardin à la française et un jardin à l'anglaise. Qui se prennent la tête pendant 10 minutes. Alors, il y a une voix off, c'est des plans qui sont filmés comme ça. Vraiment, il n'y a pas d'acteur, c'est juste filmé comme ça, dans le jardin à la française, dans le jardin à l'anglaise. Et la voix off raconte dans le jardin français, Madame Machin a rendez-vous avec son amant. Après, dans le jardin anglais, Monsieur Trucmuche se promène. Et en fait, tu rentres vraiment à la fois dans ce que c'est qu'un jardin à la française, ce que c'est que la société française, le côté vaudevillesque. Et dans le jardin anglais, tu as des zones où on a l'impression que la nature est foisonnante, alors qu'en fait, c'est très réglé, des zones plus romantiques. Il y a quelqu'un qui vient parler au personnage en lui disant... en lui racontant des histoires. Enfin, c'est vraiment un film absolument génial qui dure 12 minutes, sans acteur, sans décor, sans rien, en caméra, juste comme ça. N'importe qui peut le faire. D'accord. Et c'est pour moi, enfin, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est mon film. Querelle de jardin. Ouais, Querelle c'est fantastique. Jardin. D'accord. On note. Camille. Maintenant, c'est celui-là, du coup. Mais sinon, avant de t'entendre, je pense que c'est le titre. Vous allez m'aider à retrouver le titre. Ce truc qu'il a produit, qu'il a fait pour la télé, alors, à l'occasion de son premier retour. Après la chute de la dialogue dictature. Dialogue d'exil. Un film très court. Pour France 2, il avait fait pour. Cinéma, ouais. C'est ça peut-être. Non, c'est un petit film pour cinéma. Je crois que c'est ça. Oui. Il revient, ouais, Lettre du pays peut-être. Il revient au Chili, il retrouve sa maison, donc il a très hâte, enfin. Rien n'a changé. On passe un instant dans sa. Bibliothèque, et là il remarque qu'il manque un livre. Il y a un problème dans l'harmonie, les couleurs sont pas bonnes, et au bout de quelques secondes, il dit il manque un livre. Il se met à chercher ce livre, et du coup, il retrouve ses anciens amis, enfin, à chaque fois en leur demandant t'as pas vu mon bouquin bon. Je caricature un peu, mais le principe de la narration est celui-là. Et je pense d'ailleurs qu'il me semble, il faudrait le voir précisément, que. Bon nombre de ces rencontres sont en fait tournées à Paris. J'ai l'impression de reconnaître des... On est à Santiago, mais je crois... Bon, et même, il me semble, reconnaître des gens de son groupe d'amis chiliens, de Ménilmontant, bon, qui peut-être d'ailleurs étaient au Chili à cette époque-là, je n'en sais rien, mais ça, on n'a pas évoqué cette dimension-là, mais c'est intéressant aussi. Moi, je les connais très peu, j'ai mangé 3-4 fois avec eux, mais des gens extraordinaires, on pourrait dire fous, mais c'est faux, c'est des gens complètement hyper forts, et ouais. Bon, et voilà, évidemment, je vous dirai pas la chute. Il est visible en. Je l'ai aussi vu en ligne, je crois. Malheureusement, je n'ai pas le titre. Alors, moi, le problème, c'est que c'est difficile de dire un film. Franchement, il y a tellement que. Mais à part ça, moi je sais que les Trois Couronnes du Matelot que j'ai revu il n'y a pas longtemps, franchement, ça m'a beaucoup impressionné. Ça m'a impressionné la première fois que je l'ai vu. Et là, en le revoyant, c'est tout même très autobiographique. Et en fait.
contrairement à ce qu'on croit, il est, tout en étant dans les recherches de forme, il était très très dans les, à parler de lui finalement, même si c'est de façon très détournée en passant par d'autres personnages. Et je crois que Les Trois Couronnes de Matelot, c'est tout même un film essentiel pour comprendre l'esprit. En plus, c'est censé se passer à travers le monde, partout. Et pareil, c'est tourné entre, je sais pas quoi, entre ouais, Bercy, à côté du Havre. Enfin, alors que ça se passe à Singapour, à Valparaiso, enfin, partout. Et je trouve que c'est un film qui est très, très. Enfin, voilà. Qui est extrêmement important sur lui, parce qu'on comprend tout de lui. Et en particulier son côté profondément joueur, parce que je crois que. Alors là, s'il y a un truc qui peut définir Raoul, c'est qu'il aimait jouer, quoi. C'est profondément. Alors, c'est parce que là, il parlait tout à l'heure de puzzles qui s'assemblaient facilement, mais c'était profondément un enfant. Alors, donc, c'est que je peux dire. Moi, ma théorie, c'est que j'ai déjà exposé à plusieurs reprises à Melville, c'est qu'il est mort quand il lui était plus possible d'être un enfant, parce que sa mère venait de mourir. Il est mort 2 ans après elle, 1 an et demi. Enfin, son cancer du foie a commencé quasiment à la mort de sa mère. Et c'est que oui, il est un enfant, et c'est ce qui correspond à l'histoire de la chambre. C'est pareil, c'est que tout vient de sa chambre d'enfant. C'est-à-dire que il a tout inventé de ses films à ce moment-là, et que c'est voilà, c'est un, il aimait jouer, et que c'est comme un enfant, et que le cinéma pour lui est un jeu et un truc. Et que le jour où on perd l'enfance, il vaut mieux mourir, ce qu'il a sans doute choisi de faire finalement. Il était fils unique. Il était ouais, ah oui, tout à fait fils unique. Oui. Sa mère s'appelait Olga. Je l'ai connue. Parce qu'il habitait toujours chez sa mère quand il allait au Chili. Non, il était toujours. Donc, voilà. Lettre d'un cinéaste ou le retour d'un amateur de bibliothèque. D'accord, lettre d'un cinéaste. Bon, donc. Trois couronnes et un matelot, les jardins, querelle de jardin et. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Alors, on a les deux coffrets de Raoul Ruiz, donc les 8 films rares, le coffret 10 films, où ce sont les films un peu plus les plus gros budgets, les films les plus qu'on connaît un peu plus de Raoul Ruiz. Et alors, les livres Poétique du cinéma sont en vente. Je crois qu'on en a un exemplaire chaque, donc faut être rapide. Et est-ce que tu pourrais dédicacer quelques coffrets, voilà, François et Camille également, voilà, seront à la table pour dédicacer quelques coffrets si vous en achetez. Merci à vous d'être venus. J'ai découvert Raoul Ruiz avec la rétrospective à la Cinémathèque. Et quand je suis tombée sur l'événement d'aujourd'hui, j'ai vu ça au dernier moment et je me suis dit, waouh, j'aille voir parce que c'est. Enfin, je viens à peine de découvrir, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Non, c'était bien ça. Enfin, j'ai appris pas mal de choses sur son fonctionnement. Enfin, c'est comment se passait ses tournages, je veux dire. C'est. Son rapport aux acteurs. La narration, enfin ce qu'il racontait sur les scénarios, enfin sur le fait qu'il n'y ait pas vraiment de scénario, ou que la direction d'acteur soit très libre. Enfin, je sais plus tout ce qu'ils ont dit, mais ça a apporté pas mal de choses. C'était assez enrichissant. Pour moi. Non, 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 non